Le grand jour est arrivé. Enfin, si vous n'êtes pas célibataire AF. Et oui, en ce 14 février 2018, nous célébrons la BST Valentin B. Si certains d'entre vous la considèrent comme un événement commercial, d'autres préfèrent la voir comme la fête des amoureux. Une journée pendant laquelle les couples s'échangent des cadeaux comme preuve d'amour. Socute, BAX en grave l'occasion de ce jour placé sous le signe de Cupidon, la rédac de Melty s'est fait plaisir en jouant à Fuc, Marie, qui est avec des célébrités B. Le but? Faire un choix, compliqué, entre trois stars, celle avec qui on aimerait bien fricoter, se marier et celle qu'on préfère tuer. Autant dire que la décision n'a pas été simple. Allez, c'est parti. Oui oui, vous ne rêvez pas. Dans la catégorie FIC, on a bien choisi Brad Pitt mais pourquoi? Parce que du haut de ses 54 ans, l'acteur américain est toujours aussi haut. Talentueux et bel homme, la vedette de cinéma nous fait totalement craquer. On aurait carrément pu l'envisager, comme époux mais avec deux divorces ultra médiatisés à son natif, coucou Angelina Jolie et Jennifer Aniston, on a préféré se la jouer safe. Il épouse B fait lui aussi partie de cette petite liste de célébrités avec qui on aimerait bien fricoter. La raison? En plus d'être terriblement sexy, le jeune comédien est drôle et badass. Le mec canon qui, en plus de ne pas en faire des caisses, te fait grimper au rideau. Wink wink. Et comment ne pas penser à Barry Steele B? Si le jeune homme de 24 ans a toujours fait sensation au sein des bonnes directions D, découvrir son immense talent en solo est encore plus attirant. Et on vous parle même pas de son physique. Non mais vous avez vu cette mâchoire et ses fossettes? On craque. Si la science estime qu'il a un visage parfait, on l'avait déjà remarqué, merci bien. Pour le mariage, le prince arrive à l'époque parfaite. Allô, la personne est un vrai prince. Que demander de plus? Oubliez les phrases de sa jeunesse, le brou est désormais un homme mature, tendre et distingué. Alors ok, le protocole de la famille royale risque d'être bien relou à suivre, mais on ne peut pas s'empêcher de fondre devant son sourire et son regard. Kate Harington tombée est scandaleusement sexy. L'acteur de la série Fargo a visiblement toutes les qualités pour être un mari au top. Beau, talentueux et intelligent, le brun ténébreux a également le cœur sur la main en plus d'avoir du second degré. On le valide à 100% comme compagnon. Et puis, se réveiller tous les jours à côté de cette bouille, ne semble pas trop déplaisant. Will Smith, c'est le mec qui ne vieillit jamais blague dans Crack. Toujours aussi sexy à 49 ans, l'acteur américain est l'époque qu'on a toutes envie d'avoir. Sympa, naturel et terriblement drôle, l'ancienne vedette de la série, le prince de Bel-Air remplit tous nos critères. Avec lui, on est sûr de ne jamais s'ennuyer une seule seconde. Et quand on sait qu'il est marié à Jada Pinkett Smith depuis 21 ans, ça nous redonne foi en l'amour. Malheureusement pour Johnny Depp, qui vient d'ailleurs de partir en tournée avec son groupe de rock, il fait partie des stars à qui l'on dit bye bye. Si l'on ne doute pas qu'il est possiblement cool, et fort sympathique dans la vraie vie, l'acteur a connu beaucoup trop de polémiques. De plus, il faut quand même reconnaître qu'il n'a pas superbement bien vieilli. Scott Disick a toujours été dépeint comme un homme irresponsable, infidèle, accro à l'alcool et aux drogues. Une description qui ne fait pas du tout rêver, pas vrai? Même s'il est aussi séduisant que fun, il a souvent été à la une de la presse people pour des scandales. Du coup, on préfère éviter les dramas. Et pour finir cette petite liste, nous avons Chris Brown B. Alors ok, le chanteur a beaucoup évolué depuis l'incident avec Brianna B. après la soirée des Grammy Awards 2009 B. Mais même s'il est talentueux et certainement très chouette garçon, il a visiblement du mal à rester loin des problèmes.